Esprit Spirou est le club de supporters attitré du Spirou Basket Club de Charleroi. Nous avons rencontré Franck Mine, son président, qui nous en dit un peu plus sur les objectifs du club. Le club de supporters, donc, au départ, il faut dire qu'il n'y en avait pas au Spirou Dome. Donc on a voulu créer un club de supporters uniquement pour tout d'abord améliorer l'ambiance, aussi par après faire des connaissances, pour créer des liens, tout ça. Et alors ça s'est fait au fur et à mesure, donc tout d'abord à l'aube de la saison 2004-2005. Et au fur et à mesure de la saison, donc on a commencé à faire connaissance avec des gens un petit peu partout. On a créé ce club. Et puis voilà, ça s'est mis en marche petit à petit. Et au bout du compte, on a commencé à créer réellement donc, ce club de supporters. En fait, à peu près tous les matchs, on arrive assez tôt au Spirou Dome pour faire un petit peu de la décoration. Donc on met des ballons, on met des banderoles, on met des drapeaux. On discute beaucoup, pas mal entre nous, puisque bon, il faut dire que dans le club de supporters, on est un peu issu de plusieurs régions. Il y en a de Charleroi, il y en a de Namur, il y en a de Liège, de Bruxelles. Donc on se retrouve généralement avant les matchs, donc assez bien en avance. Comme ça, on peut tout préparer à son aise. On peut mettre au point les différentes infos que l'on doit programmer sur le site, les déplacements que l'on fait aussi. Donc on fait les déplacements des Spirou, donc à peu près, on les assure à peu près tous. Et voilà, alors on organise aussi donc, pendant la saison, notamment souper, des autres activités comme des ventes de vin chaud, ventes de crêpes. Enfin, on essaye chaque fois de diversifier un petit peu nos activités pour essayer de rassembler les gens, pour essayer que ce soit le plus convivial possible. Et notamment, donc, aussi, mais bon, on prend par après des after-matchs, des après-matchs, qui consistent à rassembler tous les supporters autour de pâtisseries que chacun apporte bénévolement. La convivialité, c'est quand même le point le plus important. C'est déjà ce qu'on recherchait depuis le début, qu'on a voulu créer ce club de supporters. Les avantages ici, si vous vous affiliez, ben déjà vous devez accepter donc une charte qui est bien propre au club de supporters. Après ça, vous bénéficiez, donc si je parle de l'aspect financier, vous pouvez bénéficier d'une remise d'un euro à chaque déplacement que vous allez faire avec nous en car, avec le club de supporters. Vous allez aussi avoir une réduction chez un le fournisseur qui est ici au Spirou Dome pour tout ce qui vend sandwich, pistolet, tout ça, enfin tout ce qui est gaufre. Tout ça, il y a déjà une réduction qui est offerte. Et alors, au fur et à mesure de la saison, il y a encore des autres avantages qui vont arriver, des petites surprises, notamment soit un t-shirt ou une écharpe, on va voir. Mais de toute façon, les membres ne sont pas oubliés ici en cours de saison et il y a toujours un petit quelque chose pour qui intervient donc comme ça, soit par surprise ou alors parce qu'un fournisseur ou un sponsor nous offrir. L'année dernière, nous avons clôturé à près de 400 membres. Ça a été une augmentation petit à petit. Hein. On a commencé par 50 membres et puis au fur et à mesure, je vais dire qu'on a quasiment chaque fois doublé. Et ici, l'année dernière, nous avons terminé la saison avec plus ou moins 400 membres actifs. Nous avons le site du club de supporters, www.esprit-spirou.be, où là, vous pouvez vous inscrire en ligne sans problème ou alors, si vous désirez, ici, lors des matchs, notamment jusqu'au mois de novembre, nous prenons les affiliations et réaffiliations. Ici, à notre table, près de l'entrée de l'Orange Inférieure. Et avant le match, jusqu'à 19h40, nous prenons toutes les inscriptions. Vous pouvez payer à ce moment-là ou bien sur le compte, c'est son préférence. Et vous recevez directement votre carte d'affiliation et vos bons de réduction, enfin vos avantages. La cotisation est de 7,50 € pour toute la saison pour les adultes.